à Roland Bayotte. Merci, Robert Rivet. Nous avons 5 embarcations inscrites à cette deuxième qualification. Voici la liste. Embarcation numéro 9, Kelron Racing. Conducteur Ronald Bolton de Long Beach en Californie. Embarcation numéro 14, Abbott. Conducteur George Fadden de Miraloa en Californie. Abbott, deuxième temps le plus rapide hier en première séance. Embarcation 52, Plum Crazy. Conducteur David R. Brown de Chattanooga au Tennessee. Embarcation numéro 214, Flat Crazy. Conducteur Ronald Spurl de Chalmers en Louisiane. Et l'embarcation 555, Super Liberty, conducteur David Rankin de Hacienda Heights en Californie. Voilà la liste des 5 inscrits à cette deuxième séance, deuxième journée de qualification en KRR. Le champion titre Freedom a réalisé le temps le plus rapide depuis le début des qualifications. Une vitesse moyenne de 93,10 000 à l'heure. Et c'est lui, Gordon Jennings et Freedom, qui a remporté la séance précédente. 3 minutes avant le départ de cette deuxième séance. We are 3 minutes away from the start of the second heat in the second day of qualification in the KRRs. Est fier de fournir cette année l'habillement à tous les bénévoles du comité organisateur des régates de Valleyfield. De plus, la Weyras commandite la classe 2.5 litres modifiée et elle apporte également aux régates de Valleyfield une aide financière importante. La Weyras, c'est beaucoup plus que du vêtement de travail. C'est le plus grand choix de jeans Levi's à griffe rouge pour elle et lui au même bas prix de tous les jours. Aussi, des bottes de travail Cantrac légères approuvées par l'ACNOR à seulement 59,99. La Weyras, boulevard Monseigneur Langlois à Valleyfield. Amusez-vous bien. Bonne régate à tous. Commanditaire de prestige s'est joint en 88 aux régates de Valleyfield. En effet, cette entreprise numéro 1, qui embouteille les eaux Labrador, fournit gratuitement son eau rafraîchissante à des milliers de spectateurs et bénévoles tout au long du week-end. Un merci spécial à M. Henri Arcan et à sa rafraîchissante équipe. Alors, Roland, dans 1 minute 5, le départ. Voilà. On va maintenant se diriger à 60 secondes du départ, 60 seconds away from the start. On se dirige à l'extrémité ouest encore une fois. Pour le départ de cette deuxième séance de qualification en KRR. Autour des bouées blanches. Avant de revenir ici. La tour de contrôle pour le départ officiel. Around the white buoys, back on the straightaway to the tower for the official start. Départ dans 20 secondes, 20 seconds. C'est le départ! Excellent départ! Avec en tête, à l'intérieur, Abbott, leader on the inside, going into the first turn is Abbott, driven by George Shannon. À la sortie du virage, c'est toujours
L'embarcation numéro 14, Abbott, qui est en tête. Avec une bonne avance sur son plus sérieux rival. Et il accélère. Abbott qui s'érige maintenant vers le deuxième virage de ce premier tour. Et dans le droit maintenant vers la tour. Back in the straightaway to the tower. Après un tour. After one lap, le meneur, the leader, Abbott. Deuxième. Second, Cameron Racing. Troisième, third, Flat Crazy. La vitesse moyenne de notre meneur, 91,3 miles à l'heure. Average speed of our current leader, Abbott is 91.3 miles per hour. Une embarcation en difficulté, Super Liberty, slowing down on the course right now, way behind the rest of the pack. Et à mi-chemin de cette épreuve, halfway into the race, Abbott toujours en tête, Abbott still in the lead, increasing his lead, deuxième, second, Cameron Racing, troisième, third, Flat Crazy. Et la vitesse moyenne de notre meneur, Abbott, était aux environs de 90 000 à l'heure tout à l'heure. Le voici maintenant dans le virage, revenant vers la tour, avec un tour à faire, one lap to go. C'est toujours Abbott, de George Stratton, en tête, still in the lead. Deuxième, second, Cameron Racing. Troisième, third, Flat Crazy. Vitesse moyenne de 88,4 miles à l'heure. Average speed of Abbott right now is 88.4 miles per hour. Et on s'amène dans le dernier virage, in the last turn, coming home. Avec la victoire maintenant assurée, on l'accueille, notre gagnant, mesdames et messieurs, our winner, Abbott. Avec un temps de 3 minutes, 23 secondes. Abbott conduit par George Stratton et une vitesse moyenne de 88,63 miles à l'heure. Our winner in a time of 3 minutes and 23 seconds. Average speed 88.63 miles per hour. George Stratton and Abbott. Bien, merci beaucoup, Roland. On peut suivre les péripéties de la course d'ailleurs au super écran Laurentide qui se trouve de l'autre côté de la baie Saint-François.